On va pouvoir jouer. Alors on va tester, j'ai jamais joué, c'est un peu le principe du mardi que je découvre des jeux, qu'ils soient récents, qu'ils soient moins récents. Fifth Simulator, c'est 19€, si je dis pas de bêtises, à vérifier sur Steam. Il y a Sarah qui le met sur le chat, c'est la meilleure, si jamais vous êtes intéressé. En plus, ça peut vous donner des envies de jeu, et c'est plutôt très cool. Donc voilà, S, j'allais dire SCH, mais c'est CHS qui lâche son Twitch Prime. Bienvenue à toi, Toto Phelps, bienvenue aussi, merci pour le Prime. On est à 95% du téléchargement. Alors. On entend bien, on a le son, j'ai l'impression qu'il me manque un truc dans les oreilles, moi, je sais pas exactement quoi. Le fond vert est un peu bizarre, mais c'est pas... Alors, le jeu a l'air quand même un peu fourni. Donc ça, ça a l'air d'être nous. Là, vous entendez rien, là. Vous entendez rien du tout. Comment est votre musique? Alors, Vinny. Vinny m'appelle, réponde, espace. Hey, it's me, Vinny. Ah, ça va, vous entendez, okay. Alors, Vinny. Ah bah, on est direct dans le jeu. Attendez, faut que je fasse le... Alors, Vinny, alors, les touches. Je mets dans le sac avec eux. Oh, il me rappelle, mais putain, il force, déjà. Ah, donc je sors de prison. Oh, putain. Plus fort. Plus fort. J'ai pas de musique non plus, vous en faites pas. Alors, la dernière. Bon, du coup, on va devoir cambrioler. Échappe. Échappe, c'est équipement. Quick slot. Abandonne. Allez, par contre, les bruits vont être... les bruits vont être différents. Il n'y a pas de musique dans le jeu. Hein. Tout, ok. Remarque. Ah, tu peux te mettre des petites remarques sur les habitants et tout. Ok. Bon. Quick slot. C'est quoi, quick slot? Tu peux ajouter des objets au quick slot pour les utiliser rapidement. Va dans équipement, sélectionne un objet et appuie sur le quick slot. Ah bah, attends. Je vais clairement quick-slotter ça, moi. Boum. Je veux quick-slot, moi. Ah, c'est bon, je suis en quick-slot. Ok, j'ai eu peur en le faisant deux fois. Ok, parfait. Et là, je peux être en quick-slot, pied de biche. Ok, on est bon. Casse la clôture. Ok, on va casser la clôture. Alors déjà, la sensibilité est genre terrible. On est bon. S'introduire discrètement. Alors là, on est au tuto, hein. Oh, ça quick. C'est un jeu solo ou multi? Là, on est les potes en full quick slot et on est en full solo. Je vous le dis. Je connais un jeu qui s'appelle Payday. Qu'est-ce que c'était bien, Payday? S'introduire. Non, mais là, ça a l'air d'être un peu technique. Va falloir crocheter des serrures et tout, je crois. S'introduire discrètement te permet de faire moins de bruit mais te ralentir. Appuie sur C pour t'accroupir. Ok, pas mal, pas mal. Faufile-toi par la fenêtre. Mais là, il y a clairement un mur là. Il y a clairement un mur. Ah, je dois passer là? Oh, elle est là. Mais jamais on passe. En plus, elle a l'air au... Non, mais... Bah, gros, enfin, j'ai comme... Je veux... Madame? Bonsoir! Non, vous ne me voyez pas, hein. Madame, je... Faites comme si je n'étais pas là. Évite la lumière. Yes. Hop là, ça évite directement la lumière. Bon, apparemment, elle m'a pas vu. Pourquoi pas? Voilà. Elle est toujours à la fenêtre, hein. Ouh, elle est partie. Lumière et visibilité. Nouveau tutoriel. Bon, on se fait tous les tutos, là, les gars. Night and Gaming, bienvenue. Quand tu t'introduis discrètement la nuit, évite les endroits bien éclairés. Ta lampe torche te rend aussi facile à trouver. Tu m'étonnes. Tu mets un coup de lampe torche. Oh, Vinny encore. Hey, some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Alors le but, c'est qu'on a une lampe torche, mais je pense que la lampe torche, elle servira une fois à l'intérieur. On peut sprinter, on peut pas sprinter. Ah, là, on n'est pas en quick slot, là? Casse la vitre avec le pied de biche. Ah, mais ça, c'est la voisine. Oh, je vais casser la vitre. Fenêtre bloquée. J'utilise E. Non, je casse. Oh, j'ai cassé. Ouvre doucement. Oh, j'ai ouvert doucement. Allume. Je grimpe. Oh, je l'ai pris dans le front, là. Oh, c'est bien, je suis dedans. Bon boulot, il est temps de redistribuer un peu du butin. Et là, je suis en full cambriolage, là? Qu'est-ce que je fais? Comment je... On vole quoi? On vole des choses? Porte bloquée. Alors, soit on crochette, soit on dit DIY. Ah bah, moi, pas de DIY, hein. Ah, ouvre doucement. Oh, je maintiens E, je suis vraiment un... Vole quelques trucs. Oh bah, me dis pas qu'on s'est introduit là pour 15$, quand même. Vieux grille-pain. Ah bah, on prend tout, hein. On prend tout, hein. Même la poêle, hein. Il est temps de rembourser ta caution. Ah non, je prends tout, gros. Des classeurs, ça peut se revendre, peut-être. Vas-y, ouvre. Y'a peut-être des merdes là-dedans, là. Rien du tout, putain. Attends, on sait jamais. Une théière, parfait. La théière, c'est super. Ici, rien. Putain, un verre. Le verre, on peut pas prendre. Et là, mec, les casquettes, ça se revend. Ils sont pas au courant, eux, du prix du marché, là.
Les shoes, on peut même pas voler les shoes. Bon, faut partir. Oh, c'est bon, je suis dedans, je suis un voleur. Chez Sky. Oh, j'aurais pris juste les chaussures, sinon. On ouvre doucement. On se remet accroupi. Lampe torche, qu'est-ce qu'il nous dit? Appuie sur F. Bon, ça va, c'est un tutoriel plutôt simple. Range les outils et éteins la lampe torche pour éviter d'attirer l'attention. Ok, tu m'étonnes. Que si tu... Ben là, je peux me barrer, là. Là, je me barre juste tranquillement, quoi. Et là, c'est bon, quoi. J'ai volé mes 15$, rentre dans la voiture. Rentre. Mais on peut conduire? Utilise. Ah, on peut conduire? Mais c'est archi propre, il y a le numéro et tout en bas. Attendez, est-ce que je vous bloque? Alors, je vous bloque rien, normalement, derrière. Derrière, je vous bloque rien. Et je vais où, là? Quitte l'endroit. Bon, bah, je pars. Oh, et je conduis et tout, mais putain, mais c'est... Et on vient de se faire 30 dollars, les gars. Boum, le frein à main. Et c'est-à-dire que, genre, je vais où, là? C'est... On est dans GTA, d'un coup. Oh là là, il y a un mec qui m'a vu. Je sais pas si je suis louche ou pas. Oh, j'accélère. Sors du jeu. Il faut aller tout là-bas. Ok, c'est bon, on a réussi. Parce que j'imagine, il y a des moments où on va peut-être se faire choper par les flics. Bravo. Oh, bravo, déjà. On a quoi au niveau 2 de sub? Oh non, je te le dis pas, ça serait... Mais là, pourquoi la musique est beaucoup plus forte? Eh, on a eu A. On a eu A. Estimation du cambrioleur, 37. 5 étoiles. Première mission, c'est déjà un 5 étoiles. Putain. Et vous qui pensiez pas tomber sur un hardcore gamer? Eh ben, les gars, dis donc. Ah, mais on a carrément une planque? Mais en vrai, ça a l'air pas mal, le jeu. Oh, mon Vinny, il nous pète les couilles. Good job, man. This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. On peut pas voler d'autres trucs, là? Ah là, on peut crafter, là? Atelier de bijouterie. On peut crafter des trucs. Oh, je peux pas faire ça. Oh, j'aurais kiffé. Étagère. Étonnant, ça. Bon, on va pas tout remettre. On va aller dormir. Grosse maison, en tout cas. Quel délinquant. Si tu peux le tester en multi, bah attends, déjà en test, utiliser. Genre, il y a des trucs à faire sur l'ordi et tout? Ah, tu peux... Oh, c'est bien ça, tu peux acheter des trucs. Alors, pour l'instant, j'ai 15$. Mais j'imagine que je peux revendre, non? Ça, c'est comme le jeu, là. Welcome to the game. J'aurais peut-être pu aimer le faire, ça. Mais ça avait l'air un peu compliqué. Alors, maison rip-off, pas d'objets. Mais je peux pas vendre des objets, moi? Imagine que si. Alors, lampe torche. Ah, donc ça, c'est des trucs justement pour crocheter. Je vais en avoir besoin, mais j'ai que 15 balles. Pour l'instant, je peux rien faire. PDA de hacker. Ah oh ouais, là, déjà. Ordinateur portable de hacker. Bah, 56 000$. Hein. C'est quand même un hacker. Un hacker, messieurs, dames. C'est pas rien. Si, Black Bay. Black Bay, on vend sur Black Bay? Menu, objet. Ah, voilà. Donc là, en fait, c'est les gens qui vendent, du coup. Et moi, je peux leur trouver des trucs, quoi. Cuisine. Boum. Je peux vendre la théière. 16 balles. Et ça part tout seul. Et là, du coup, je peux acheter un truc. Oh, mais j'achète le DIY de crochet simple. Ah non, ça me demande le crochetage niveau 1. Oh, c'est dur, ça. Ah, ça, c'est dur, ça. Je suis tug 322. Putain, mais quel jeu. Oh, le... Ah, je vais dormir là. Ah, c'est vrai qu'on imagine que c'est plus fou, quand même. Hein, la vie de cambrioleur, quoi. Ça m'a pas l'air dingue, là. Dors dans la voiture. Je sais pas jusqu'à quelle heure je dors, moi, gros. Nouveau tutoriel, gros objet. Pour voler un gros objet, téléimprimante, mets-le dans le coffre de la voiture et roule jusque chez toi. Parfait. Ok, j'ai cru que... Bah, dors dans la voiture. Je sais pas jusqu'à quelle heure dormir, moi, mec. Enfin, dors un peu chez toi. Vas-y, bah, je dors un peu. Non, faut dormir jusqu'à quand? C'est bon, hein? Oh putain, en termes d'immersion, les gars, pfff, on est dedans. Vérifie l'ordinateur, il y a quelques trucs qu'il faut que je te lise. Moi, j'ai déjà failli acheter, moi. Otis Croc te propose un nouveau kit à acheter en ligne, mais tu pourrais ne pas avoir ce qu'il faut pour les utiliser tous. Clique sur le forum gangster.com. Ici, tu peux acheter des secrets, des bons conseils sur ce que tu peux trouver, où tu peux le trouver, par qui c'est gardé, qu'est-ce qui laisse la porte ouverte, etc. Découvre ce que j'ai écrit sur Greenview. Ouais, du calme, toi. Alors, Greenview. Alors, ça, c'est toutes les infos gratuites, en plus, sur, justement, les maisons que tu peux... C'est gratuit, on achète tout. Parfait, va à ta voiture. Clôture en bois abîmé. Donc, ça, en fait, tu prends des infos et tu les achètes. Là, par exemple, si je veux cambrioler le 111 des Carter à Greenview Street... Putain, vieille télé qui voit un paquet de fric. Double des clés de la porte dans le tiroir. Il n'y a jamais personne à la maison. Alors, eux, ils sont cadeaux, quoi.
Eux, je peux te dire que clairement, là, Black Bay, y a rien à vendre en ce moment. Tu te poêles là. Ah, la casserole qui est. Ah, la casserole. Pas passé loin quand même, hein, et ça, je peux toujours pas prendre. J'ai toujours pas la compétence. Alors, clôture en bois facile. Bon, allez, vas-y, on va à la maison. Oh, mais il nous fait chier, Vinny! Va d'abord vendre ton butin chez le prêteur sur gage. Il faut que tu aies les poches vides pour le Greenview. Ah ouais. Vends tes trucs au prêteur sur gage, mais il est où? Double des clés, astuce découverte. Y a jamais personne à la maison. Mais c'est où le prêteur sur gage? Et bim! J'assène un grand coup. S'introduire discrètement. Bah, quick slot là. Non, quick slot. Ah, c'est menu ça. Lampe torche, vieux grille-pain. Ah ouais, ça te prend de la place quand même. Ah, vieux grille-pain, je peux pas. Y a un endroit? Ah, faut prendre la voiture, faut. Ok, d'accord, je pensais que c'était en ligne. Ouvre. Putain, mais c'est trop bien, en vrai, ils se sont fait chier, parce que j'avoue qu'avoir une voiture et. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Alors, boutique du prêteur. Ah, c'est bien, ils ont fait des trucs simples. Bah, je vais à la boutique. On va à la boutique voir un peu ce qui se passe. Oh là là. Il a dévalisé tout le quartier et tout revendu sur Black Bay. Putain. Et déjà, il y a une ambiance. Et là, on peut rien voler, là. Ah, discretos. Le mec, vraiment pas de confiance. Et même dans la poubelle, on sait jamais. Rien du tout, rien du tout à voler. Ah, le gars a pas l'air fastoche. Hein. Ah, le gars s'y connaît en termes de vol. Gros objet. Putain, j'ai pas de gros objet encore. Mais toi, on va se connaître. Tu me vends ça 3$, le vieux grille-pain? Putain, c'est Micromania, quoi. Oh, la casse. C'est une poêle, déjà, les gars. Ah, 8$, c'est dur. Hein. Ah, et Vinny nous harcèle. Ah, putain, mais. Il me prend une commission ou pas, là, Vinny, là? Parce que. Il nous taxe, hein, le con. Bon, salut, toi. Ah oui, putain, à chaque fois, je vais oublier ça. Junkyard. Alors, Junkyard, ça doit être chez moi. Et Greenview Street, c'est le checkyard où on va pouvoir cambrioler. Allez, on va cambrioler tout ça, les gars. Bon. La première était assez facile. C'est quoi? C'est au 109? Et sur la map, tout est indiqué. Hein. Donc là, faut que je tourne à gauche. Petit clignotant. Et boum. Ça déboule. Frein à main. Frein à main. Ça braque! Oh là là. Oh, j'ai alerté quelqu'un. On fait un tour, on fait un tour, on fait un tour. Parce que. Mais le mec est devant le 109. Je refais un tour en mode je suis pas là pour. On le regarde pas. Est-ce que je me garerai pas là? Je me gare là. Je sors de la voiture. Dors dans la. Non, je veux pas dormir, gros. On va pas non plus être tout le temps. Il est là-bas, il est là-bas. Faut que je ferme. Il me voit pas, c'est bon. Non, mais c'est bon, je suis un passager. Je suis un mec dans. Je suis un mec normal. Charge là dans le coffre de la voiture. Ah, mais le souci, c'est que si j'ai la voiture trop loin, on va me voir. On va me voir avec la télé, tu sais. En mode, si je fais tout ce chemin avec la télé. La sensi est terrible, hein. C'est pour ça que je mets des grands coups de stick. Attendez, attendez, je rapproche. Demi. Vous voulez que je décale la. En fait, il n'y a rien derrière moi, je crois, mais je peux me décaler un peu si vous voulez. Je me mets là, comme ça, c'est mieux. La télé dans le coffre. Oh putain, la sensi par contre. C'est cool. Ouais, je règle juste un peu, les gars. Vous savez, j'ai vraiment besoin de. Il y avait la souris avant ou pas? Je sais pas s'il y avait la souris. Mais moi, je passerais bien tout derrière. Ah non, tout derrière, ça va pas le faire. Garde dans le sens du départ, toujours par contre. Ouais, c'est bien vu ça. Dors pour être dans la nuit. Oh, je pourrais dormir. C'est pas con. Vous êtes pas con, vous, hein. Et genre, je me gare ici. Et je dors. Comment on dort déjà? C'est l'espace? Je sais plus comment dormir. C'est pas plus simple à la manette. Peut-être, hein. Utilise. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est les différents trucs que j'ai. Mais c'est du rangement, si jamais. Je peux pas dormir? Comment on dort déjà? J'arrive plus à dormir. Bon, c'est pas grave, on va braquer. On va kidnapper, attendez, mais. Y avait la souris là avant ou pas? Vous voyez la souris, vous? Faut dormir à un hôtel. Ah, c'est que sur les parkings. C'est bon, yep. Y a la souris. C'est les demi. Et là, je vais juste casser le truc en mode. Ouvre. Cache-toi. Je vais pas me cacher là, quoi. Moi, je vais fumer la clôture, je pense, hein. Quick slot. Quick slot. Et là, si je tabasse la clôture, ça fait un peu louche en pleine journée quand même. Oh, attends, il m'a vu. Je quick slot. Oh là là. Oh, il veut. Oh, ça peut être dur quand même. Bouge la souris. Mais je sais pas comment faire parce qu'en fait, c'est devenu mon jeu. Parce que, attends, faut peut-être un petit alt-tab.
Yes. Alors j'avoue que la souris là, je suis en... Depuis que j'ai changé... Non mais y a jamais personne. Ouais, c'est bon, je décide. Moi je suis un grand braqueur. Allez, boum. Ça, ça dégage. Et là, ça passe direct sur le côté là. Double clé. Double des clés de la porte dans le tiroir. Ah mais faut que je casse là. Boum. J'ouvre doucement. Et je grimpe. Boum. Et là, toujours très très bas. Très très près du sol. Bon, là, y a pas de PQ à voler. On ouvre tout doucement. Mais, attends, limite, je vais enlever ça, comme ça, je vais faire moins louche. Le grille-pain, ça, on connaît, ça. La planche, non, pas de... Oh, la casserole, parfait. Un peu de ketchup. Pas de ketchup. Dans le frigo, il y a peut-être des trucs. Dans le frigo, on peut pas le braquer, hein. Non, c'est trop tard, les gars. Mais ça sert à quoi d'avoir... clé de la porte d'entrée? Mais c'est quoi l'intérêt? Sachant que j'ai déjà braqué le truc. Les mythos, ils ont pas de... Oh, y'a des sous, là! Attends, pose là, ça. 15$ de plus. Peut-être un... Oh, y'a rien! Ah, mais parce que je vais devoir sortir avec ça! Et je peux pas sortir par la fenêtre! Et si je la jette, là? Y'a pas un truc à faire? Allez, hop. Magnifique. Je la reporte. Et là, je cours. Et là, faut courir. Oh, la voiture est de l'autre côté. Mais attends. Je la fais tomber ici. Ça m'a l'air bon. On peut partir. Heureusement que je me suis garé à merveille. Hop là. Allez, dans le coffre, dans le coffre. Ouvre, ouvre, ouvre. C'est pas le moment, là. Vas-y, jette, jette, jette. Voilà, parfait. Ah, on se casse, on se casse, on se casse. Et là, ça se barre. Pour lolo. Non, mais là, pour l'instant, c'est... Pour l'instant, c'est une leçon de braquage, là. On va beaucoup moins vite depuis qu'on a une télé dans le coffre. Là, on tourne à droite. Vend une vieille télé du 109. Et là, je vais à la boutique. T'as été voleur dans une autre vie. Non, mais pour l'instant... Combien d'étoiles? 5 étoiles. S+ plus. S+. Plus. On est carrément à S+, là, les gars. Vieille télé, c'est 20 XP. J'ai tout. J'ai le vieux grille-pain, j'ai la casserole. Oh, j'aurais peut-être dû mettre en difficile. Je me suis sous-estimé. Je me suis sous-estimé. Ah bah... Comment ça? Non, pas juste S. S avec un point d'exclamation. C'est genre S waouh, tu vois. Bah attends, mais il faut aller sur... Bon, attends, je reviens après chez lui. Je vais revenir après parce que va savoir à... va savoir sur le site là, il y a des bons il y a des bons bails. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Va à l'ordinateur. Mais c'est qui ce gars? Mais je suis pas chez moi là. Vous êtes qui vous? Pas d'objet. Oh! Bah voilà, lui il me vend des vrais prix, 35 balles. Oh bah je vends tout. Bien plus intéressant que sur internet. Alors lui, on va revenir le voir. Lui, je sais pas ce qu'il a avec les grille-pains, mais... Mais du coup, c'est où mon chez-moi? J'ai pas de chez-moi. Attends, c'est où? Ah, maison. Ouais, c'est vrai qu'il avait marqué maison, en gros. Le jeu est subjugué par ce joueur. Junkyard égale déchetterie. Ah, merde. Mon niveau d'anglais est limité, hein. Bon, je vais à l'ordinateur. Non, c'est chiant un peu, cette souris, là, quand même. Ça m'embête un peu. Alors, Black Bay. Oh, c'est parfait. Il a fait un petit truc pour la télé. Mais je vends pas le... Je vends pas la poêle 40 balles et la télé 60. J'ai rien d'autre à vendre, là? Ok. Cambrioleur for you. Tu peux trouver un peu de boulot supplémentaire, j'en ai mis un spécialement pour toi, celui avec la vaisselle. Casse leur vaisselle. Mais en plus, c'est les voisins de chez qui je viens de cambrioler. Faut que je casse de la vaisselle. Pour 50$. Oh. Moi, j'ai des sous maintenant, les mecs, hein. Je sais pas si j'ai besoin de ça, quoi. Et le crochetage et tout, comment je fais pour... comment je fais pour devenir un crocheteur? Ici, je peux crocheter un peu? Ah non, ça demande du hacking. Ah, mais y a pas un truc de points de compétence? C'est où les points de compétence? Compétence. Parce que là, j'ai dû développer des trucs. Crochetage niveau 1. Ah bah voilà, j'apprends. Boum. Du pex. Crochetage niveau 2. Ah, j'ai plus de points.
Permet de jeter des briques. Permet d'estimer plus d'objets sur place. 25%. Ah ouais, en fait, tu peux voir en fonction de qui t'es, quoi. Je sais pas si je suis un crocheteur, moi. Moi, je pense que je suis un... Ouais. En tout cas, j'ai le crochetage niveau 1. Bon, ça, on sera sur tous. On est très contents. Achète. Mais du coup, comme j'ai le crochetage niveau 1, je peux prendre un petit truc de DIY, là. Ou pas encore. Allez. Ça, c'est crochetage niveau 2. Et ensuite, là, ils sont carrément... Ils sont au-dessus de tout, quoi. Je me prends un petit crochetage. Ça m'a pas coûté 100 balles au lieu de 20, là. Tôt dans leur prix. Ah, par contre, cette voiture, on veut plus jamais. Hein. Oh là là, eh bien, qu'est-ce que ça va vite. Qu'est-ce que je fais, là. Je dois aller casser de la vaisselle. Putain. Comment on enlève... T'es un receleur, toi. Ghostimer un max de bien. Comment on enlève la souris, ça, que c'est chiant. C'est assez pénible. Genre, les frais de port. Ah, c'est les frais de port. Comment ça va? Altab. Ah, j'ai déjà tenté un petit Altab, tu vois. Le Altab fait que j'ai la souris là. Dans Streamlabs, si tu utilises. Ah, parce que je la... Tu vois, je la vois en face de moi, la souris. Faut relancer le jeu? On relance le jeu ou pas? Ça peut se faire. Mais est-ce que je peux sauvegarder? Charge l'enregistrement. J'ai peur de cliquer là-dessus. Oh là là, non, non, je veux pas changer de profil. Retour. On est automatiquement sauvegardé ou pas, Osef? Non, 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 non. C'est pas gênant, la souris. Ça a pas l'air de vous gêner tant que ça. Au final, c'est vrai que... Si, regarde. Technique de crack. Yes. Allez, parfait. On va casser de la vaisselle. On lancera peut-être. Alors là, je dois aller au 110 péter de la vaisselle. Pour l'instant, ça va. Le jeu est assez facile, hein, quand même. Mais là, du coup... Ah, oh, mais ils ont réparé la clôture. Ah, mais eux, je peux les braquer à l'infini, en fait. C'est incroyable, ça. Bah, attends, mais du coup, je vais... Mais eux, à l'infini, je peux voler de la télé, là? Bon, attendez. Je viens derrière chez vous, mais... Oh, merde. $1 de réparation. Attendez, hein, faites comme si j'étais pas là. Je fous juste ma caisse là, moi. Et on va voir un petit peu. Ah, je peux sauter, hein, quand même. Là, là. Alors là, c'est quoi? Casse la vaisselle. 50 balles pour casser de la vaisselle. Je peux sauter, là? Je suis bloqué, hein. Bah là, de toute façon, c'est juste un cassage de vaisselle simple. Mais y a pas un... Oh, ça marche pas, ça. Ah, je peux pas casser n'importe quelle barricade. Ah, faut déjà que ça soit de la barricade un peu fatiguée, quoi. Ouais, elle m'a l'air fatiguée, ça. Pas l'air fatiguée. Bon, attendez, je vais revenir en mode normal. Bon, je vais voir devant déjà ce qui se passe. Déjà, il y a quelqu'un de louche. Ah, je peux ouvrir tranquille. Salut. Pourquoi l'impôt? Je peux la taper? Attends. C'est bon, j'ai compris. L'autre est parti aussi. Oh, merde. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. Hop. Non, voilà. Oh là là. Là, il y a quelque chose qui se passe, là. Et si je braque chez eux, là? Oh, vas-y, je vais braquer chez eux, finalement. Faut faire quoi, là? J'ai jamais fait ça de ma vie, gros. Oh, y a quelqu'un, Je suis en train de crocheter la serrure de quelqu'un. Hop. Y'a personne qui vient derrière. Si. Un passant. Tout se passe bien. Oh, bah, lui, déjà, il est en conduite. Je peux te dire que... Ah, mais si j'entre, ça va être louche, quand même. Je repère un peu le patelin, là. Je pense que je peux passer peut-être après cette voiture. Ah, mais ils ont tous du mal avec la conduite, hein. Là, si je rentre... Oh, la discrétion incarnée. Je peux pas passer par derrière. Quoi? Mais quoi? Oh, je suis Thanos. Oh, la mâche du jeu est folle. Casse leur vaisselle. Oh, c'est magnifique, j'ai utilisé le bumper. Oh, ça, c'est la technique des plus grands speedrunners. Ce qui te permet de passer derrière. Ce qui, derrière, va me permettre de passer en quick shot. Et boum! Et là, direct, je grimpe. Je monte. Toujours, je me le prends dans le nez. Hein. Et là, on va casser. Mais là, je peux casser et voler un peu de vaisselle gratos, là. Une petite théière, toujours. Bon, par contre, ils ont pas toujours la même merde. Hein.
Il y a un pot ici, on l'avait pas vu, ça c'est 10 XP en plus. Boum, un peu de sous là, un peu de sous-sous, 15 balles. Mais je les ai déjà volés eux, je suis dans le bon là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Oh ouais, oh ouais, aïe aïe aïe. D, fait tourner. Ils ont cru que j'allais passer un BEP de ça ou quoi là? Moi je sais crocheter avec un couteau sur les trucs de merde. De. Je l'ai cassé. Je l'ai cassé? Non, je l'ai pas cassé gros, mettez un tuto. BEP voleur, ouais, c'est tout nouveau. L'éducation nationale qui. Bah, je vais taper la porte moi. Oh, c'est... on est bloqué gros. Mais quelle vie! Heureusement j'ai un grille-pain. Et une poêle. Oh là là! Y'a rien de plus là-dedans, là? C'est jamais, hein, tant qu'à faire. T'as jamais joué à Skyrim. Non, mais là, je comprends pas le... Je comprends pas... Ah, mais faut juste péter ça, en fait! Mais je suis trop con, c'était la porte pour ouvrir! Mais qu'est-ce que... Achète-toi un crochet DIY. Ouais, j'ai... Bah, parfait. Juste, je suis allé trop vite pour le jeu, je pense. On l'a vu tout à l'heure avec le bug. Et là, je peux pas repasser par là. Oh, ça m'aurait arrangé, quand même. Parce que là, du coup... Mais y avait ça depuis le début? Oh, il y avait ça depuis le début. Eh, mais attends, je vais peut-être voler des petits trucs, là. Petite bière. On peut pas voler tout ça? On peut rien voler. Une chaise? Oh, ça se vole bien, pourtant. Oh là là. Attends, je fais... Oh, ils ont entendu du bruit. Je fais le tour de l'autre côté. Magnifique, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est une leçon de... Et là... Oh, c'est terrible. Oh, je suis bloqué. Oh, je suis bloqué. Oh, c'était un piège. Oh, c'était un piège. Oh, je suis enfermé. Oh, je me recache. Oh, putain de merde. Mais tout à l'heure, ils m'ont fait voler à l'autre bout de la map, là. Vas-y, refaites-le, là. Oh, mais on peut pas... Ah non, là, ok, j'ai vu. Là, il y a clairement du... Ouais. Sécher, lui. Lui, il va appeler les flics, hein. Et je peux même pas passer là. Oh, je dois tout refaire, le tour. Oh, limite. Oh là là. Il est sorti? Impression qu'il est sorti. Ok, ça va. On repasse là. On s'en va de chez eux, hein. Eux, ils ont l'air nocifs. Mais comment je suis arrivé, déjà? Ah oui, je suis arrivé par le bug, là. Sur le côté où je me suis retrouvé sur le toit. Ah ouais, mais c'était pas prévu, ça. C'était archi pas prévu que je me retrouve sur le toit, aussi, hein. En vrai, faudrait que je crochette pour pouvoir sortir par devant, mais je peux pas. Oh, quelle est notre solution? Putain, on est pris au piège. Oh, quelle terrible vie. Casse une autre fenêtre. Ah, mais je vais devoir casser la fenêtre et passer par devant. Si je casse là. Ah, je peux casser là. Eh non, c'est bon, magnifique. Oh, quel voleur. Quel voleur. Toujours une solution, hein. Arsène Lupin, quoi. Ah, mais là, si j'ouvre... Imagine, j'ouvre et y'a un mec. J'ouvre doucement. Magnifique. C'est imperfect. Et je leur referme même comme ça. Ils sauront pas ce qui s'est passé. Et là, c'est la nuit, là, c'est... Bah, attends, mais si... Imagine. Eux, ils sont jamais là. Bah, attends, eux, je peux leur reprendre un petit 10 balles, non? Attends, eux, je vais leur reprendre un petit 10 balles. En tant qu'affaire, tu vois. J'espère qu'ils remettent des trucs, hein. Attends, on va checker. Ils ont remis des poils. Putain, parfait. Ah, ils ont refait le plein. Ah, je suis en full équipement. Oh non, je suis en full équipement. On voit rien, hein. Bon, c'est pas grave. Déjà, deux poils, c'est pas mal. Déjà, deux poils, honnêtement, on peut tous être fiers de nous. Allez, on part. Elle est où, la caisse? Elle est là, la caisse. On voit rien. Ce bon plissage d'œil, là. Ah, c'est lui le Night King. Ah, ok. Allez, on s'en va. On va tout droit. Oh putain, l'enfer. Allumez la lumière. On est bien là? Ouais, on a l'air pas... Parfait. On est très très bien. Eh bien écoutez, pour l'instant... C'est vrai que j'ai une lampe torche. C'est vrai que j'ai une lampe torche quand même. On va où là? Maison... Puis prêteur sur gage, si jamais... Mais le junkyard, il me met des bons trucs, hein.
Pourquoi je me suis fait ban? Non, parce que c'est vrai que on évite les spoils. B? Je ne serais pas mis B, moi. Nouvelle astuce disponible. Oh, les gars, m'en dites pas plus. Comment est-ce que je revends tout ça, là? Black Bay. Pièce de voiture, électronique, cuisine. Boum, la casserole. 30 balles. Clac, ça rentre direct, ça. Et ils m'en ont filé. J'en ai vendu une ou deux, là. Parce que moi, j'en avais deux. Hein. J'ai encore deux casseroles. Non, mais là, je me régale. Je suis le roi du pétrole. Attends, on retourne. Achète des crocs simples. Ah, putain, j'aurais dû acheter. C'est pas grave. De toute façon, on aura besoin, je pense. Je vais au junkyard. Parce que le junkyard, il était bien. C'était le pot. Quelqu'un peut m'expliquer le jeu? Oh, bah là, gros. Je pense que ça parle de lui-même. Ah, bah, il veut plus rien, lui. Ah, bah, si. 35 balles à chaque fois. Oh, mais lui, c'est incroyable. Attends, je sais pas ce qu'il... Je sais pas ce qu'il en fait, ces casseroles, avec son métal, mais... Un métal plutôt doux, mais... En même temps, t'es rentré dans la maison, il faisait jour. Est-ce que j'ai été attrapé? Moi, c'est la question que je me pose, tu vois. Là, on retourne à la maison, on va mettre un nouveau point de compétence. On en est où, niveau point de compétence, là? Je peux en débloquer un. Est-ce que je peux débloquer direct ça? Ah non, mais j'ai pas de point de compétence, je suis trop con. Qu'est-ce qu'on fait? On dort. C'est quoi ça? Ça doit être un plus gros sac. J'ai plus rien là dans le sac. Hein. J'ai clé de la porte d'entrée. Ah putain, c'est vrai que je peux rentrer à l'infini chez eux. J'étais pas obligé de faire le tour. Et j'ai une théière toujours. Bon, je vais. Ouais, c'est vrai. Bon, je vais prendre ça déjà. On achète, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a sur Gangster là? Conseil de sécurité pour la maison. Alors, ça, je crois que c'est les gens qui sont. La porte à une vieille serrure facile à crocheter. Alors, moi, je vais me prendre un petit. Je vais m'en prendre un de plus parce qu'on a vu que j'avais des galères. C'est quand la soirée hebdomadaire avec Carl et tout? C'est le jeudi, gros. C'est jeudi soir. Je suis en train de chercher là des jeux, des bons jeux de mort d'ailleurs. Bah écoutez, on est bon, hein, maison rip-off. Je sais pas trop ce que je dois faire. Ah, il m'appelle. Vinny m'appelle. Il y a le tuto. J'avais voulu aller trop vite. J'avais juste voulu aller trop vite en fait. Alors, comment on fait avec une. Fais tourner. Tu dois trouver le bon angle avec la pince à cheveux, puis faire tourner la serrure. Plus la pince est proche de l'angle qui convient, plus la serrure tournera. J'ai eu bon? You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job, you gotta scope the joint. Yes. Go to 111 by 7 a.m. and watch. Yes. Fuck's sake. Fucking good. Oh, je l'ai répété. Je comprends pas. Là, c'est bon ou pas? Fallait jouer à Skyrim. Est-ce que le but, c'est juste de le faire tourner suffisamment avec le truc à chaque fois qu'il relève? America, fuck yeah. Tu vas trop vite. Si tu es assez près, tu peux marquer un habitant pour découvrir ses habitudes. Putain, quel jeu en tout cas. Tu vas trop vite. Et là, je l'aurais... Bouge pas dans tous les sens, une fois que t'as le bon angle, bouge plus. En fait, moi, je suis juste les conseils plus à droite ou plus à gauche, quoi. Bon. Je pense qu'on est bon. La vie de ma mère dans une go pour des trucs simples, parfois, il pète un plomb. Mais mec, sois plus doux. Bah ouais, mais je comprends pas, parce qu'en fait, t'as pas trop le choix. J'avoue que ma sensi est... Tu vois, ça, je comprends... C'est peut-être au son, c'est... Reste pas... Ah, faut pas rester appuyé sur D. Mais en fait, si je mets juste un coup, il revient à la truc de base. Dès que t'arrêtes, dès que ça bloque. Donc là, c'est plus à droite. Et là, j'aurais eu bon. Ok, d'accord, c'est bon. Bon, on s'entraîne. Alors, va au 111 Greenview vers 7h et marque l'habitant souris 3. Ah putain, bah, je vais y aller, je vais dormir sur place. Merde. Ah, souris 3, c'est le bouton, putain. Oh, le cassos. Vas-y, à tâtons. J'ai vendu mes trucs, normalement. Ah non, je peux peut-être aller vendre au prêteur sur gage. Il me reste des trucs.
Il me reste peut-être des trucs, 2-3 merdes. Faut faire tourner la pince doucement. Ok, parfait. Bon, là, j'espère que l'émission vont se corser. Salut ma gueule. Une petite théière à te vendre, c'est 8$, ça fait quand même du mal à personne, ça. Allez, on y retourne. Ils sont d'être dans GTA RP, mais version flinguée, quoi. Bah là, on va clairement à Greenview. Hein. On va se foutre sur un, sur un parking. Pour quand du Planet Coaster, je pense, vers... Enfin, quand on en aura marre de jeu, en fait. Ça paye le kebab. Alors là, faut aller au 111. Il est déjà minuit 30. Hein. Ah, il y a des espaces de parking pour dormir. Bah attends, je vais me foutre sur le parking là-bas à côté. Vente à télé. Oula. Oh putain, merde. Ça, le 109, les Martins, on les connaît bien. Ça, c'est le 111. Mais le 111, il y avait des gens. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire notre premier... Dors dans la voiture. Alors, je vais dormir. Bah, jusqu'à 6h. Non, vers 7h, ils m'ont dit. Vas-y, je dors dans la voiture. Ok, il est 7h. Ah, mais il y a v'là les gens, là. Alors, faut que je marque l'habitant. Ah, putain, juste par au-dessus, là, comme ça. Bah, faut... Faut que je me baisse. Il y a un carton à l'intérieur, attends qu'il parte et apporte-moi ce carton. Dormir dans les parkings. Ok, ça, c'est bon. Alors, faut peut-être pas que je... Merde. C'est quoi, ça? C'est Q. Non, c'est A. Carton important à l'intérieur. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? La porte a une vieille serrure, attend qu'il n'y ait plus personne à la maison. Bah lui, il a pas l'air d'éther. Hein. Ah, c'est un mec... Oh là là, pardon. Ah là, il est dans son salon. Hein. Dehors. Il a... Ah, il va dehors. Alors, ça va aller très très vite. Hein. Ah gros, là t'es clairement... Vas-y, bouge. Hein, hésite. Un petit appel, un petit truc. Laisse le chien en paix. Toujours pas. Ah mais y'a des gens qui vont commencer à me trouver louche là. Faut que t'ailles dodo. Va dodo une heure, attends qu'il y ait plus personne à la maison. Ah je peux aller dormir. Allez, on va se coucher un petit coup. Je dois sûrement avoir l'heure où il se barre. C'est vrai ça. Bah attendez, on va essayer de dormir une heure. Va savoir, de toute façon il va bien aller au taf un moment. Je dors une heure. Voir ce que ça donne. Est-ce qu'il est encore là le con? Peut-être qu'il est parti hein. Il est plus là. C'est pour moi. J'ai pas bien compris le... Allez, c'est le moment. Putain, plus qu'un. J'ai pas compris, ça me panique. C'est fini. On sort. Oh putain. Je comprends pas, je vous le dis, je comprends pas. Putain, il y a le carton juste là, là. Et j'ai plus, vas-y, faut que j'en achète 10, moi. Ah, m'emmerde pas, toi, hein. Je suis en galère, là. Je vais en racheter. Faut aller doucement. Ouais, mais c'est... C'est dur, hein. Non, vous pensez que c'est facile, c'est dur. Bah, là, tout le monde, toi, j'ai envie de t'écraser, là. Ça fait quoi si je l'écrase? Ah. Ah, ça me semblait... Si je reviens et que j'ai mes deux... Je suis un génie du mal. Et j'ai mes deux crochets. Je suis un génie du mal. Oh, c'est incroyable. Un génie! J'ai même pas eu besoin d'aller en racheter, ça m'a ramené ici! Oh là là, mais putain, mais c'est juste fou, quoi. Et là, y a personne, en plus. Alors, c'est quoi le truc avec dehors, dedans? Parce que là, il est 9h. Peut-être que le mec, à 9h, il commence à faire des trucs chelous. Hein. Allez, on y va, là. Quoi? C'est incroyable. Mais il est peut-être dans le coin encore? Qu'est-ce qu'il fait? Passage. Vole tout. Hein. Une assiette. Oh la télé, putain. Il est peut-être juste en train de chier dans la douche là. Oh, c'est terrible.
Y'a personne. Carton contenu louche. Bah, c'est parfait. Oh, le jeu me veut du bien. Ah, faut être très discret là. Ah, c'est le moment où faut pas faire d'erreur. Là, faut avoir une attitude normale. Vraiment juste sembler naturel. Voilà. Là, on est sur. C'est pas lent en tout cas, hein, c'est bien. C'est-à-dire que la télé, je sais pas combien elle fait, mais. Allez, on ouvre. Hop. Merde. Voilà, parfait. Ça ferme et ça se barre. Non, mais là, c'est même trop. C'est trop facile. C'est le souci du jeu. À part le crochetage, là, on est sur quelque chose de. Regarde la map pour les gens. Tu vois les gens? Tu vois pas les gens en vrai? Non, par contre, comment j'ai brain le jeu, ça, je suis fier. Alors là, je vous cache pas que. Je vous cache pas quand même, c'est une belle fierté là. On voit leur champ de vision. Ce génie du mal. Pff. Je vais où là du coup Je vais à la maison. Vous pensez que j'ai quoi? Moi je pense que j'ai B là. Si j'ai pas B, y a un bug. B. N'oublie pas d'utiliser les points de compétence. Et il me le dit en plus, bah merci. Là maintenant on a un point de compétence. Alors qu'est-ce qu'on. On est obligé de faire ça ou on peut prendre lui? Niveau demandé 1. Ah non, on peut pas lui prendre. On est obligé d'avoir lui en lui de base. Bah alors là déjà je suis très content parce que je vais avoir des ça va être beaucoup plus facile de crocheter. Mais je pense qu'on va se réentraîner un peu. Parce que c'est vrai. Putain. En fait je comprends pas. Parce qu'en fait le truc c'est que là il y a marqué à gauche à droite. Après il y a plus marqué. Parce que tu vois, qu'est-ce qui te dit que c'est à gauche? Ça, je comprends pas. Dès que ça bloque, tu lâches la touche D. Ok. Et du coup, si je lâche, tu vois, je reviens au point initial. Non, mais là, c'est écrit. Mais une fois qu'on est dans les maisons, c'est plus écrit. Moi, je parle de ça. Lis en bas. Je dois trouver le bon angle. Puis avec la pince à cheveux, puis la planche à point. Non, mais. C'est du mensonge. C'est-à-dire que, merde, la langue par exemple, tu vois, langue c'était ça, c'est-à-dire c'était, ah mais là c'est plus la même, langue c'était ça de base. En fait, faut mettre des petits coups comme ça, quoi. Ah, oh, celui-là était bien. Là, ça bloque. On est bien, là. Donc là, faut refaire, se dire que c'est peut-être un angle un peu plus à droite comme ça. Encore un peu plus, je refais. Peut-être comme ça. Pff, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. On s'en fait un dernier. Là, si je me dis, c'est... Oh, merde. Oh, c'est bon, je l'ai. Mais là, parce que... Là, j'ai l'info que c'est à gauche ou à droite. Une fois qu'on est sur le terrain, les gars, c'est pas la même. Je vais me prendre un petit crochetage de plus, au cas où. Ouais, parce que là, tout de suite, ça monte très très haut. Crochet. Ah, bah j'ai des crochets maintenant. Ça va être beaucoup plus simple. Je me prends un petit crochet simple en plus. On sait jamais. Alors, Black Bay. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Art, pièces de voiture, électronique. Rien du tout en électronique. Cuisine, vieux grille-pain. Bah j'ai ça, non? Antiquité. Carton, contenu louche. Parfait, boum, 100 balles. Et là, il y a des nouveaux trucs. Bah on va aller ici. Habitude de l'habitant. Ah ouais, mais là, du coup, je dépense beaucoup de sous. Je dépense presque plus de sous que je vais en gagner. Ah, c'est pas fou, ça. Casse ou vole un tableau. Ah, moi, je suis au centre... J'ai appris quoi? J'ai appris sur qui? Au 112. On va au 112. Bon, on teste. The Lombardis think their friend on Greenview needs a new window. But they think the one they got's fine. Go prove them wrong. Oh, ça, il me faut du test, ça. Le crochet, c'est différent. Oh, je vais péter full crochet. Casse une vitre au 112, puis cache-toi ou sauve-toi. Bah, autant tout voler, non? Tant qu'à faire, là. J'ai du pot. J'ai un pot. Oh, le pot, il va pas me... Bon, le pot, on peut aller vite fait vendre, mais bon.
Crochetage à la Oblivion cette fois. Ouais, mais... Putain, j'ai accepté le boulot du coup là. J'étais pas sûr. Hein. Le crochet est incassable. Oh, ça rassure. Ça donne ma gueule. Vieille télé, allez, je te vends ça. Et je te vends un pot pour 8 balles, c'est pas grave. Peut-être que l'autre aurait pris plus, pour plus en vrai. J'aurais dû aller à la déchetterie. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Pour l'instant, on est multimillionnaire. On est les voleurs de demain. Ton gars, c'est Hitman en moins stylé. Ah bah là. Vends tout ce qui est au métal, au ferrailleur. Pas con, toi. Toi, t'es clairement pas con. Alors, le 112, c'est où? Bah, c'est dans le prolongement de la rue, en fait. Hein. C'est pas très loin du 113. Oh là là, c'est virage maintenant, je les prends, mais... Pff, quelle claque. Nous qui pensions que ça allait juste être un jeu de simulation de vol. Bon, en vrai, le jeu est pas mal. Après, là, c'est... Les Watson. Alors là, les Watson, ils sont complexes. Hein. Mais moi, j'ai grave des infos au 113. Tu fais du bruit. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas ouf, là. Je me gare peut-être pas au bon endroit, là. Là, je suis pas... J'avoue que je suis pas garé au bon endroit. Là, c'est bien mieux. Là, je suis un peu plus loin. En plus, on peut pas forcément me voir. Alors. Alors, eux, ils ont carrément un petit truc en marbre. La porte arrière a une cellule. Tu vois, par exemple... Ah, le truc pas appris et tout, je comprends pas. Casse leur vitre. Faut juste que je pète une vitre. Mais je crois que j'ai appris des trucs plus sur le... Sur le 113 que sur le 112, non? Remarque. C'est... Ah non, c'est le 112 que j'ai acheté. Ah, c'est trop bien, ça! En fait, ça, c'est les infos de savoir quand est-ce qu'ils sont dehors. Oh, c'est génial! Alors, ils sont dans la cuisine. Oh, et là du coup, on est à ce moment-là. On est à 18h, donc on sait pas trop ce qu'ils font à 18h. Bah, je vais essayer de passer devant, déjà. C'est peut-être une amiche. Faut que je les marque, tu vois. Là, si je leur pète juste une vitre, on est bon. Oh, putain. Yes! Oh, j'ai compris. Je m'en baisse. M'a vu ou pas? Vous avez entendu par un locataire. Merde. Ah, ils sont toujours... Hein. Pendant ce temps, j'irai pas braquer le 113. Qu'est-ce qu'ils font, Qu'est-ce qu'ils font de leur journée, Ils ont une belle baraque, hein, une belle télé, ça c'est du... Ça c'est pas mal, hein. Ah, il y a du tableau, là. Habitude de l'habitant découverte. Oh la vache! Ouh, bébé! Oh, bonsoir. Vous pouvez passer, monsieur. Attends, je vais y retourner, là. Parce que eux, il y a deux mecs là-dedans. Attends, faut juste que je le scanne. Il m'a pas vu. Ok, il y a les deux, ils m'ont pas vu. En eux, ils sont à la maison, là. Vous avez été entendu. Ah, mais il nous faut... Oh, elle est tombée. Là-bas, elle est tombée, là. Qu'est-ce qu'elle fait, là-bas? On va espionner. On va prendre des infos précieuses. Et là, faut... La porte arrière a une cellule... En fait, faut juste que je dorme, là. Je vais aller au parking, je vais dormir. Hein. Parce qu'on sait quoi, d'eux, là. Attendez, là, on est sur un... On est sur une belle enquête, là. Là, ils sont chez eux tout le temps, quoi. Donc, ils sont pas chez eux entre 1 et 3. C'est incroyable de pas être chez toi entre 1h et 2h du mat. C'est louche. On va y retourner. Allez, ça part. Merci, Nico, pour le 11e mois. Bon, attendez, je vais au parking. Je fais du bruit, bah ouais, j'ai le droit aussi de vivre. Hein. À un moment aussi où... Bah, attendez, moi je vais dormir jusqu'à minuit, quoi. Je dors jusqu'à minuit, là, pour voir un peu.
Ils sont gardiens de prison la nuit. Ok, j'y retourne. Putain, qu'est-ce que c'est chiant d'actuer le moteur. Et là, on y retourne. Et là, ça va... Là, ça va juste envoyer, quoi. Zan, merci pour le sub. Bienvenido. Enfin, je me mets... Mais je fais du bruit, je fais du bruit, gros. Ils sont pas censés être là, là. Ah bah... Il est minuit, mec. Elle est là encore, putain. Ça a une heure qu'il se barre. Ah ouais, il y en a un qui est dans la cuisine, là. Mais il se barre à une heure. Elle, on sait qu'elle est dans la cuisine à minuit. Ouais, belle maison, en tout cas. Clairement, Bon, on attend juste, alors. J'ai déjà marqué. Bon, faut qu'on attende 10 minutes. Sur la map, tu vois les PNJ. Ah oui, putain! Je comprenais pas ce que c'était, je suis trop con. Genre, c'est juste leur vision, en fait. Salut. Bon, elle part quand, là? Elle va partir. Ok, on va frapper, nous. Oh non, j'ai... Non, non! Si elle me voit, je suis mort. Elle est partie de l'autre côté, heureusement. Ok. Oh, ça, c'est vraiment un jeu d'enfant, désormais. Derrière, boum, l'autoradio. Le vase. La coupe en verre. Le plateau. Intrusion. Quoi, intrusion? Détecté. Comment ça, détecté? Oh bah, attends, j'en profite. Tiens. Ouais, mange tes morts, toi. On part, on part! Culture qui peut être escaladée, on escalade! Allez là! C'est quoi ce grimpeur? Ah, c'est agilité niveau 2, mais... Ah, oh, parfait! Heureusement, il y a ça. Hop! Oh, oh je suis foutu! Oh, je suis foutu! Je me cache là. Oh non, il y a un mec qui arrive. Il m'a pas vu. Oh non, c'est terrible. Il m'a pas vu? Il m'a pas vu. Pour l'instant, je suis absolument... Il m'attend peut-être. Pour l'instant, tout se passe bien. Non, je pense que ça passe. Détecté, ouais, mais détecté tout à l'heure. Là, j'étais beaucoup de... Aïe. Hop là. C'est incroyable, le jeu est codé pour moi, quoi. Faut juste pas faire de bruit, coup de réparation, il shoot dans ma caisse ou quoi? Acquisition d'expérience. Ça, c'est parfait, ça. Ça, en voilà une bonne nouvelle. Encore, mais ils mettent des coups dans ma voiture. Bah, c'est bon, là, je pense. Hein. Oh, les gars, putain, vous insistez. Mec, t'as vraiment dans ma caisse, quoi. Ils ont le seum. Et on est bon. Alors, il y a encore peut-être des flics. Là, si je sors. Est-ce que vous pensez que je suis louche? Course-poursuite avec la police. Tu peux fuir la police en quittant les environs ou te cachant dans une benne à ordures. C'est tout ce que je sais faire, ça. Attends, je vais ranger quand même ça, ça va faire louche sinon. Et là, je suis un mec normal à nouveau. Mais est-ce que je retourne? Mais ils avaient une alarme, comment ils m'ont vu? Ah, j'ai marché dans la lumière. Ouais, mais il y avait personne à la maison. Non? Moi, j'ai quand même envie de... Eh, ils ont une... Ils ont une tasse de café, hein. Ils ont une machine à café ou je sais quoi. Qui peut se négo. Ah, je vais vous souiller, gros. Vous, je vous le dis, je vais vous souiller, vous. Vite, vite, vite. Oh, il y avait un mec qui arrive, là. Mais je suis obligé de marcher dans la lumière, mec. Je vois pas comment je peux ne pas marcher dans la lumière, là. Bon. Je longe. Je longe. J'espère qu'il n'y a personne. On y retourne. Faut juste ne pas courir. Alors là, on est au crochetage. Oh, putain, ça en connaît. Oh, par contre, là, c'est stratosphérique ce niveau maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont à voler, eux? Une caméra, putain, ça va vouloir cher, ça.
Il revient. Il rentre. Oh, il est chez lui. Oh, je le vole chez lui. Oh, Arsène Lupin. Oh, ça avait jamais fait... Tiens, boum, tiens, mange ton trophée, toi. Est-ce que je peux l'assommer ou pas? Oh, putain. Oh, il s'assoit, parfait. Vous avez été entendu. Merde, des billets, des billets. T'as le seum. Tiens, du bon vase. Non, mais là, c'est incroyable. Hein. Vase jaune. Oh, je suis en full stuff. Un t-shirt. Le remix cube. Oh, c'est très très risqué là. Oh, ça avait jamais été fait. On va sortir. Je pense que c'est la bonne solution. On en a beaucoup fait là déjà. Oh, il y a la deuxième, putain de merde. Mais ils se font quoi là? Ils se font une séance débrief de la journée? C'est ouvert là-bas? Oh, je sais pas si je peux passer là comme ça. Oh, c'est chaud. Vous pensez que je passe ou pas? Sinon je casse. Hein. Je suis chez des aveugles. Oh, il y a une télé là. Vous pensez que je passe ou pas? Oh, j'ai envie de voler la télé. Est-ce que je passe en mode normal ou en mode je cours vite? Quoi ce jeu? Intrusion. Je fais quelque chose de louche. Non, 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 non! Oh putain, je suis ralenti. Je fais quelque chose de louche, mais je suis pas détecté. Heureusement, j'ai pris ce chemin. Oh là, c'est incroyable. Hein. Là, là, vraiment, ça relève des films de science-fiction, là. Là, je suis dans la haie avec ma petite télé. Oh, il y a lui qui arrive. Attends. Si. Je vais mettre comme ça. Jusqu'à ce qu'il passe. Normalement, il me verra pas. Ça arrive de temps en temps. Voilà, parfait, il me voit pas. Il est en train de passer sur mon... Sur la map, il me passe dessus, là. Je vais faire genre... Je suis détecté. Est-ce que je peux le frapper? Je fais quelque chose de louche. Oh, il appelle! Oh, l'enculé! Toi, déjà. Ah ouais, mais pour moi, ça fait partie aussi du... Ça fait partie du côté gangster, les gars. J'assomme. Moi, j'assomme le témoin. Il me laisse pas assommer. C'est un des soucis du jeu, ça. Pourquoi? Bah, le mec appelle. Boum. Tu trahis pas. Tu trahis pas, cambrioleur, pas assassin. Un petit coup sec, là, derrière la nuque. Boum. Et tu repars. Non, en fait, sinon, je voulais... Ah, oh, ouais, mais... Ah, oh, ouais, mais là, c'est... Je sais même plus où je suis, là. Je sais même plus où j'en suis, du coup. J'ai volé quoi, là? Ah, j'ai rien volé, je dois retourner là-bas, là? Ah non, mais il est minuit! Ah bah, minuit, elle va juste se barrer et on peut tout voler. Le jeu a quand même pas des bugs, mais des trucs qui te donnent pas trop envie d'y jouer, quoi. Tu vois? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, limite, je peux direct commencer, hein. Allez, c'est dans ce sens-là, là. Voilà, allez, hop, là. On commence directos, hein. 1-0 Ajax, jure. Trop beau pour être vrai, ça devait foirer. Du coup, attends, je vais... Hop là, je commence. Hein. Je mettrai un petit coup sur la vitre à la toute fin. Histoire de... Là, elle va se barrer au moment où elle se barre. Moi, je suis déjà en crochetage. Là, c'est... Là, c'est du jamais vu, hein, si tu veux. Hein. Un casse aussi bien fait comme ça. Caméra, je pense que ça vaut pas mal. On va prendre la caméra. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la casserole, là. Casserole, c'est pas ouf, hein. Ah, la machine à café qui vaut de l'argent. On met dans le sac. Et petite capsule Nespresso, en vrai. Équipement complet. Alors, qu'est-ce que j'ai dans l'équipement? Je vais virer des merdes, hein, au pire. Pied de biche, lampe torche, radio, vase, coupe en verre.
Non, bah ça me semble bien. Et par-dessus, je prends la télé, quoi. Oh, la télécommande. Parfait, elle rentre dans le sac. Coupe en or. Oh, elle faisait du pex, hein. Parce qu'il y a ça aussi, il faut jouer la note, hein. Il y avait un moment des sous, là. Ça là. Tu vois, c'est dommage ça qu'on puisse pas prendre là. Tu vois, on n'est pas récompensé de notre curiosité quoi. Oh non, la cachette, tout mais pas ça quoi. Bon bah écoute, je vais prendre la télé du coup et je vais pas sortir. Allez, on part. Ouais. Intrusion. Quoi? Non, non. Non, non. Non, s'il vous plaît, qu'on recommence pas toute cette merde là. Oh, c'était con, c'était con! Allez là! Attends, attends, là c'est un move de génie, parce que du coup je vais me cacher. Oh non, la lampe torche c'est terrible. Je vais me cacher là. Watch me, hein. Watch me bien là, parce que là je pense qu'on est sur un move de génie. On a la télé qui est dehors, on attend que les flics passent, ils regardent jamais la minimap. Bah, c'est vrai que c'est pas mon fort. Mais et là on est juste safe, là faut juste discuter un peu. Tu vois, parce qu'ils vont venir, comme d'hab, ils vont bosser un peu ma voiture. Pourquoi la vitre? Parce que la vitre, c'est une mission en plus, c'est 100$. Donc, t'es oublié, la vitre, c'est 100$, les gars, c'était la mission de base. Là, ça va vite partir. Je vais récupérer la télé et je vais me barrer. Triangle blanc du PNJ était legit sur toi. Ah ouais? Mais genre, comment il a pu me voir? C'était bizarre, quand même. Real Wall Nico, merci pour le prime, mon pote. Le tableau. Mais je crois que le tableau, il est chez les mecs d'à côté. Je crois qu'il est au 113. Il est chez Mokobe. Il t'entend. Ah, y a un bête de tableau dans la chambre, tu l'as raté. Ah. Bouge la voiture, mets-la mieux. Bon, c'est pas grave, on a juste des petits frais de réparation. Regardez le génie un peu. Regardez-moi ce génie. Et hop. Y a un mec derrière moi. Y a un mec legit derrière moi, j'avoue que j'ai pas regardé la map. Vous allez me tuer si ça sonne. Je jette la télé au sol. Et c'est bon, il m'a pas vu. Elle est où? Elle est dedans, là? J'ai pas eu l'impression de l'avoir mis dedans. Bon, si elle est dedans. On part. Mais attends. Est-ce que je suis un forceur ou pas? Parce que je peux être le forceur de l'année si je mets les trucs là-dedans. Regarde, si je mets la radio... Le vase, coupe en verre, caméra, machine à café, télécommande. Et que je retourne dedans. Oh putain. Ça part. Ah mais il y a les mecs là. Ah ils sont rentrés. Putain ils sortent que 3 heures dans... Mais si j'arrive à escroquer le tableau, c'est fou. Ils ont pas vu qu'ils se sont fait cambrioler hein. On en est là du mind game, hein, les gars. Juste quand même que je vous ai... Merde. Que je vous explique un peu, quoi. Oh, putain. Ah, je le tente. Oh, putain, ça m'a fait... Pour moi, c'est le but du jeu, maintenant. Il me faut le tableau. Il est où, le tableau? Oh, c'est celui-là, le tableau, là? C'est un beau tableau, en plus. On y retourne. Oh, cette maison, le mec, putain, il a dû se dire... Lâche-moi au bout d'un moment, quoi. Cambriole-moi une fois, mais... Il m'a dit... Ah non, il en... Ça passe. Ça passe. Y'a la meuf qui va bientôt venir, je crois. Mais jusque-là, ça passe. Faut faire attention. Oh, le tableau, putain, magnifique. Oh, quelle pièce. Je peux plus le poser. Oh non, c'est tôt, c'est tôt, c'est tôt. Je vais y retourner. Oh putain de merde, elle se fait un café. Je peux pas le poser là, le truc. Je peux pas le poser, putain. Elle se fait un café. Oh, elle a changé de pattern. C'est plus la même chose là. Là, il y a des coupes, il y a des trucs à voler là, mais je peux pas poser.
Si je me lève. Oh non. C'est quoi ça? Y'a un autre truc qui a l'air d'être de valeur là. Je sais pas ce qu'elle fout là. Un café avec quelle machine? Ah c'est vrai que je lui ai cambriolé. Va à gauche, assieds-toi avec ton mec là. Allez, regarde par la fenêtre. Elle est carrément en... Pourquoi il chuchote? On est chez des gens quand même. Lui il est bête. Mec, il a pas compris. Il est con. Attends, je vais tenter de rouvrir. Oh la vache, j'ai ouvert fortement. Ça va en fait, elle me voit pas d'ici. Attends, du coup je me mets bien. Oh la vache, ça fait du bruit ça. Si on prend, on prend. Je les vois plus. Je les vois plus. J'ai plus d'infos sur eux. Ah. Oh putain, faut partir. Il faut à tout prix partir. Oh non, j'espère qu'elle est pas là, on a plus l'info. On me dit pas que... Si, 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 c'est bon, pas de machine à la laver. Putain, c'est osé. Oh, c'est osé, mais ça passe. PNJ, pas de PNJ derrière. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, y'a un mec là-bas, mais c'est... ça passe, ça passe, ça passe. Oh là là, mais on leur a tout dépouillé à eux. Eux, on leur a tout fait. Ah non, non, eux là, clairement, on leur a mis une session. Ah là, y'a une brocante qui part rien que de chez eux, quoi. Allez, c'est bon, on rentre à la maison. Merde, merde, merde. Ah, on a bien bossé, là. Ah, mais je force, là, aussi, putain. Truc, ça fait tellement longtemps qu'on est là, il y a la végétation qui a repris le dessus. Et on peut partir. Et voilà, l'air de rien. Acquisition d'expérience. La coupe et l'autre télé, c'est pas grave. Honnêtement, on a déjà bien pris, hein. On a déjà pris, honnêtement, ce qu'on devait prendre. Prendre plus était limite un peu insultant pour eux, tu vois. Genre, ça devenait limite un peu gênant. Ça, c'est juste une petite maison. Après, il y a des villas avec des bagnoles à voler. Là, j'ai quoi? J'ai A+. Bah, bien sûr, j'ai A. Bien sûr que j'ai A. 4 étoiles. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu du loupé, quand même. Permet d'ouvrir une césure. Ah, bah, je vais pouvoir crocheter d'autres choses. Alors, est-ce que je peux vendre des choses, là? Parce que là, mec, j'ai quand même du truc, hein. Là, j'ai l'impression de... Vase, vase. Coupe en verre. D'avoir les objets pour ça. Radio, boum, 50 balles. Cuisine, j'ai rien. Oh, vieille guitare. Oh, la fameuse Yamaha, là. Les Watson, casse ou vole le tableau baiser. C'est chez eux, là, que j'ai fait? Ah bah, je prends. Il est dans le coffre, hein. Acceptez-moi la mission, il est dans le coffre, gros. Il est là, il est là, il est là. Je l'ai. On peut pas débloquer? On peut pas? Attends, je reprends la télé. Je peux pas débloquer ça, là? C'est pas le bon. Oh non, c'est pas le bon. Vous m'avez dit, dans art, il y a des trucs à scroll? Bah, j'ai tout, mec. J'ai tout scroll, là. Ah, c'est bon, je peux pas prendre plus. Hein. Ah, je suis clairement au max, là. Je suis clairement au top du top. Alors, il y a un nouveau type de crochet, serreur d'entraînement. Mmh. Ah, j'ai compris. Il faut tous les faire? Commencer par la fin. Peut-être pas lui. Oh putain. Oh, si j'arrive une fois à faire ça.
C'est pas cassé, répare-le avec un pied de biche. La rumeur dit que les toilettes du Greenview 113 ne sont pas cassées. Ça, je m'en bats les couilles, gros. Il y a un moment où j'ai pas envie de réparer les chiottes de tout le monde, quand même, tu vois, genre. Course poursuite, ok, ça j'ai fait. Ah non, il y a un moment, mec, casse leur toilette. Oh, frère, putain, mais quel boulot de merde, quoi. Moi, je casse de la vaisselle, je casse des chiottes. Je dois aller au 113, là, et 113, j'ai pas des trucs à... Attendez. Plus fort sur la touche. Ouais, mais j'ai pas... j'ai l'impression qu'il fallait l'envie. 113, qu'est-ce que j'ai? Emplacement possible du butin. Boum. J'ai déjà plus de sous, tu vois. Conseil de sécurité. Vas-y, l'habitude de l'habitant, c'est pas grave. On va apprendre. Bon, on va se faire cette mission. Et ensuite, on changera peut-être de jeu. On va se faire la dernière mission, là. Ça se trouve facilement. Les objets dans mon carton. Ah ouais, non, mais là, de toute façon, on va se retrouver... je vais au junkyard. Je vais au junkyard et on va tout vendre, là. Là, on vend tout. Hein. Le jeu est sympa, en vrai. Bah, j'ai rien sur moi. Ah, comment ça? Ah, toi, tu prends pas les vases, toi? Ah, lui, les vases, ça a pas l'air d'être hyper chaud. Mais peut-être que les... Il prend les trucs un peu de merde, lui. Attends. Toi, forcément, la coupe en verre, caméra, machine à... Machine à café, il va prendre. S'il prend pas les vases, il va me prendre ces merdes-là, là, je pense. Je vais essayer l'autre vase. Est-ce que tu me prends un truc ou pas? Ou rien du tout? Ah, tu me prends rien du tout, t'es dur en affaire, toi, quand même. Toi, pour prendre 50 balles des casseroles, t'y vas, quoi, mais sinon... Quand je t'amène un peu de qualité, là, y a plus rien, quoi. Ah, la télé, vous pensez pour le faire ailleurs? Ah, mais lui, il va m'escroquer. 200 balles, la machine à café. C'est vendu. 5 balles, c'est vendu. Ça part. Petite télé 120, mais tout part, tout part, tout part. Vas-y, ça part. J'ai encore des trucs, frérot, je reviens. J'ai tout vendu dans le coffre, c'est bon. Mais j'ai encore, normalement, deux petits vases à te laisser. Attends ça. Boum, boum. Deux petits vases de merde. Et allez, boum. Et là, ça vend, ça vend. Parfait. On a combien de sous, du coup? Pourquoi pas? On va pas nos sous. Alors, permettre de jeter des briques. Permettre d'estimer plus d'objets sur place. Ah, j'ai envie de jeter des briques, moi. Ah, mais je peux faire les deux. Ah, bah, j'apprends tout. Ah, je me suis pas décidé. J'aurais peut-être dû. C'est pas grave. Avoir au moins une compétence dans chaque est bien. Ensuite, pas besoin de plus. 654. V1, merci pour le prime. C'est trop peu. De quoi c'est trop peu? 15 mois, c'est déjà bien. Merci, mec. C'est déjà cool. Bon, on va à Greenview. En bas à droite sur ton sac. Ah, j'avais pas vu. Vous en pensez quoi du jeu? Moi, j'aime bien, ça va, c'est rigolo. C'est pas le jeu de l'année, quoi. Mais c'est marrant. Je suis un peu dedans, quoi. Après, j'imagine que c'est de plus en plus complexe. Mais moi, pour l'instant, je serais sur un... Ouais, un petit 6,5 sur 10, tu vois. Quelque chose de... Les sensations sont là. Oh là là. Tu fais du bruit. Le mec il me saoule. Je dois aller où au 113? Casse des toilettes au 113. Achète des astuces pour obtenir de l'aide. T'inquiète pas, je connais. Ah mais c'est les voisins en plus. Je pense que c'est un peu redondant. Ouais, c'est ce que je me dis. Je pense que tu vas le faire une soirée. Là, on va se faire cette mission. On verra si j'y rejoue quoi. Voilà, bouge de là, bouge de là, bouge de là. Qu'est-ce que tu fais? Tu bloques le trafic. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, passe, passe. Voilà. Pardon, excusez-moi. Ancienne mimique qui reviennent. Alors, il y a du monde ici ou pas déjà? Appareil photo? Installer la caméra? Tu peux mettre une micro-caméra? Mais attends, mec, mais il y a des moments où. Eh, j'ai l'impression qu'il y a personne là. Vas-y, on crochette. Merde, je suis con. Eh, ça a mis du temps, mais je comprends maintenant. Non, bah là, les gars, c'est-à-dire que c'est un cadeau, là. Casse leur toilette. Boum, alors ça, les écouteurs, mec, ça peut partir très très cher. Là, c'est des... Bah, le poste de radio, ça part aussi très très cher. En plus, ils ont laissé ouvert. Là, c'est vraiment des cons, là. Là, j'ai des mecs que je vais pouvoir clé de la porte d'entrée. Boum, je reviendrai chez vous, les gars. Un petit réveil, je reviendrai aussi. Toujours... Pff, la... Ah, je sais pas si ça vaut tant que ça. Des choses, non... La veste, hein, la veste, mec, ça a un prix, ça a une valeur. Hein. Un peu de flouze. Le mot flouze, t'es vraiment. Je
sais pas si des gens utilisent encore le mot flouze. Un petit peu de flouze encore. Oh, 50. Attends, je suis obligé de faire là. Oh, la vieille guitare, c'est Nyomo. C'est Nyomo. Ça vaut 400, ça vaut full boule ça. Ça vaut full boule. Attends, je repars. Je sais pas quand ils viennent, j'ai l'impression que eux, je peux les bosser eux. J'ai l'impression que la Yomo là elle vaut 300 balles. Alors radio, clé, écouteur, boum, clé de la porte d'entrée, ça limite on n'est pas obligé d'avoir. Pied de biche. Ah si, faut que je casse leur chiotte quand même. Allez, on sort. Alors, vraiment je me fais pas chier, hein. Là je suis vraiment en vol. Ah, intrusion. Yes, excuse-moi, non, bah désolé. Juste bah je vais me trouver une poubelle, hein. Y'a pas de poubelle. Il me faut une poubelle. Ah non, c'est bon. Yo gros. Ça va dans le quartier. Super. Petit coup d'épaule. Et on réaccélère. Et là, plus d'intrusion. On n'avait pas fait attention. Attention, on peut faire du bruit quand même. Le mec est juste de l'autre côté de la barrière. Mais je m'introduis. Tel un ninja. Et je suis là. Oh, mais la caméra, ça donne envie aussi là. Attends, mais la Yomo-O... Elle est clairement pour moi. Ah mais c'est 7 places hein. J'ai la moitié du stock qui est rempli hein. Alors... Ah oui putain merde. Je vais placer la prime putain. J'ai plus de crochet. L'erreur. Oh l'erreur putain. Ah je m'en veux un peu. Parce que là, j'ai été brutal. Là, souvent, vous me dites, parfois, t'es un peu brutal. Là, je reconnais. Beaucoup de brutalité et pas forcément utile. Pas de la brutalité intelligente. C'est le bon ordre. Tu bloques le trafic. Oh non. Me dis pas que ma caisse bloque le... Oh non, je bloque le trafic avec ma caisse. Non, non. Oh putain. Faut que je parte. Vite, vite. Oh, c'est une course poursuite. Oh, faut partir. C'est bon, on est safe. C'est pas si mal, hein. Parce que là, du coup, je vais tout vendre et je vais revenir. Ah bah non. Mais non, j'avais pas fait la mission, gros. Je voulais la faire en deux temps, moi. Il a pas compris que je voulais... Tu vois, je me fais 150. Non, je vais pas la vendre ici. Elle est beaucoup plus chère sur Youbook, là. Par contre, il a peut-être des merdes que j'ai récup. Ça, mon pote. Attends, vieille guitare, Yomo, là. Boum. Ah, mais j'ai le 113, je peux rentrer par la porte, maintenant, chez eux. 109, 113, je peux rentrer par la porte. Et là, on vend. Et là, on est très bien. Eh, je l'ai gardé en tête, hein, quand même, que ça valait plus à l'autre endroit, hein. Il en a là-dedans. T'avais les clés poteaux, v'là l'abus. Ouais, mais j'ai les clés, mais ça change pas que je peux pas rentrer avec des gens en mode y'a rien, quoi. Mais juste que, en fait, j'ai garé le truc devant. Bah, on va se prendre 2-3 coches. Regardez un peu les sous qu'on a, les gars. Regardez un peu, boum. La vieille guitare, Yomo. Ah non, mais là, on devient des mecs... on devient des gars riches, hein. J'ai des crochets, là. Parce que là, je vais reprendre des sous en plus pour casser les chiottes. Et là, c'est parfait, hein, je peux y retourner. T'avais pas besoin de crocheter. Ouais, j'aurais pu, mais bon... Ah, c'est le souci, hein, on veut trop en faire. On veut faire trop de beaux jeux, c'est un peu le problème, parfois, c'est... Okay. Ouh... 13$ de réparation, mais un beau drift. Bon, allez, j'ai envie de réussir cette mission. Ensuite, on va aller sur Planet Coaster. On va aller faire des parcs d'attraction un peu. Je fais du bruit gros. Nous, hein, vous nous faites chier aussi dans le voyage. Tu tiens un outil de cambrioleur. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pas mal fait ça. C'est vraiment la voiture du loup-bar quoi. Et en fait, elle se gare toute seule. Le frein à main. Non, je la pousse, je la retiens. C'est bon? C'est bon, elle est garée. Bon alors.
Ah mais là ils sont là. Il y a une imprimante dans le salon. Qui vaut beaucoup d'argent. Double des clés. Là je pourrais rentrer genre gratos chez eux. Et ils s'en vont quand eux? Je crois qu'ils sont pas là le matin. Bah, je vais aller me coucher vite fait. Je vais aller dormir un peu. Et ensuite, ensuite on va braquer ça. Et le frein à main. Ah, c'est pas poussé à ce point de jeu. Et ça repart. T'as vendu les clés. Non, je crois pas, elles sont là-dedans. Allez, on dort. On dort jusqu'à... je pense 7h du mat. On est sur un beau braquage, là. Et là, on y retourne. J'ai juste envie de conduire, là. Je pense 8h, ils sont là. 8h, mets-toi bien. Ah, c'est vrai que j'aurais pu pousser jusqu'à 8h, vous savez. Toujours le petit jogging matinal, moi. Est-ce que j'ai les clés, là, sur moi? C'est vrai que ça serait con de pas les avoir. Ouais, clé de la porte d'entrée du 113. Je peux venir en mode c'est chez moi, là. Mais est-ce qu'ils sont chez eux? Pas l'impression qu'ils soient là. Hein. Bon, j'ouvre. Vérifier quand même qu'ils soient pas là. Oh, ils ont un enfant. Oh non, le traumatisme pour le gosse. Un petit routeur. C'est un routeur, ça. Oh, il a une belle chambre, hein, quand même. Hein. Attends, attends, je porte un truc de plus. Oh, ils ont que des routeurs, quoi. Voilà, un ampli, parfait. Y'a quoi d'autre? Moi, je prends tout, là, ce soir. Là, on finit sur un très très gros coup, là. Intrusion. Non, comment ça? Détecté. Oh non, vous faites chier, putain! Ah, vous m'emmerdez! Je suis chez moi, comment tu sais que t'es... Allez! 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 Ah non, mais y'a même pas la police! Oh, j'étais juste en intrusion tranquille! C'est vrai que j'ai laissé la porte ouverte. Non mais c'est bon en fait. Je peux me regarder. Oh, ils sont très cool dans le jeu. Putain, peut-être le niveau difficile était à mettre quoi, parce que là... Je dois arrêter la voiture pour sortir. Non, je veux pas arrêter, je veux juste faire ça. Il y a des trucs qui sont pas hyper optiques quand même. Clé de la porte d'entrée, ça c'est parfait. Non, crochet, je vais en avoir peut-être besoin. Là, il y a du routeur. Il y a du Johama. Ça, ça me semble super. Et là, on est reparti les gars en fait. Mais tu vois, je comprends pas comment ils peuvent se dire que... C'est pas chez moi. Oh merde! Excuse-moi, 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 gros. Désolé, Oh, il y a les flics qui arrivent. Oh, les flics qui arrivent. Oh ouais, non, mais là, c'était terrible, du coup. Mais comment le mec est rentré entre-temps? Mais ça, c'est nimp, ça. Oh, l'enfer, putain, on doit se rec... On doit se recasser, là. Oh là là, ça finit jamais, hein. On n'y arrivera jamais à le braquer, lui. Il était au chiotte. Il était juste au chiotte, tranquille. Après, on continue à se faire des... On continue, hein. Il était juste en train de pisser, hein. Ouais, faut venir un peu plus tard. Oh, j'ai F. Ah, ça devient de pire en pire, là. Mais je crois que j'ai des trucs disponibles en compétences. Oh, merde, j'ai tout mis là-dedans, putain. Oh, ça devient catastrophique, là, mon niveau, sur la fin. Hein. Mais je suis obligé de... Moi, j'arrêterai pas tant que je l'ai pas braqué, lui, hein. Je sais que c'est un bel objectif, mais je casserai ces chiottes, je vous le dis. C'est une déclaration officielle. On y retourne. Pff, on y retourne, on y retourne. Aïe, aïe, aïe. Go changer de jeu. Bah, faut que je finisse cette mission, tu vois. À la fin de cette mission, je change de jeu, mais là, on a trop fait, tu vas pouvoir arrêter maintenant. On peut pas finir maintenant en me disant... Oh, beaucoup mieux géré, hein. Y'a jamais personne à la maison. Je crois que là, c'est bon, là, maintenant. Ah, y'a un mec à l'intérieur. Putain, il nous fait chier, aussi. Et vous le voyez? Vous l'aviez vu quand je suis rentré? Là, il est dedans, là, clairement. Non, pas vu. Le mec revient cambrioler la même maison tous les jours.
Là, c'est juste un passant, en fait. Oh, fais chier, putain. Je suis vulgaire. Petit jogging. Donc, c'était Lucie, t'es le premier... premier humain au monde. Pas bloqué, bah ouais, moi j'ai les clés, quoi. Bon, limite, là. Là, sur un petit passage, discretos. Là, me dites pas qu'il y a un mec, hein. Est-ce qu'ils ont remis de l'argent? Ils ont pas remis de l'argent. Le jeu de couteau, là. Ça vaut cher, des couteaux, normalement. Le micro-ondes, putain, le micro-ondes. La boîte à thé. Oh, je prends tout, je prends tout, je prends tout. Oh, putain, non, je veux pas aller là, je veux pas aller là. Le routeur. Équipement complet. En fait, là, là, je les vois, là, tu vois. Là, je pense que si je me monte maintenant, c'est chaud. Y avait du flouze? Putain, y avait du flouze. Il est où, le flouze? Il est là-bas, là? Un peu de détergent, hein. Tout se vend, tout se vend. Tout va partir. Ah, ils ont remis le routeur pour le gosse. Hein. Quand même très cool. Hein. Je vois pas le flouze. Là-bas, là-bas, il y a du flouze. 15 balles, putain, tout ça pour ça, on prend des risques de malade. Et là, je sors avec ça. J'ai oublié de casser les chiottes. Oh, y a full mec. Je sais pas ce qui branle là-bas, là, mais... Et je dois faire quoi, là? Je dois... Quelle idée, putain, mais qui? Je tape juste, là? Demande réalisée. Putain, mais y'en a, ils ont des demandes cheloues, quoi. Oh, c'est chaud. C'est chaud, mais au pire, je pars en... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, va falloir que j'esquive deux mecs, là. Oh, ça va être technique, hein. On va jouer avec le buisson, là. Ah, je vais jouer avec le buisson, là. Attends. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, bonsoir. Le petit demi-tour, clac, là, personne m'a vu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et là, on accélère. Ah non, y'a l'autre, en face, en face, en face. Bonjour. Monsieur Donald, enchanté. Il n'y a plus personne qui peut nous empêcher de notre mission. Là, c'est... Oh, il y a un autre mec qui arrive. Bon, il y a un moment, faut assumer. Hein. Ah, s'il tourne, c'est terrible. De toute façon, il ne me voit pas, je ne le vois pas. Moi, j'estime que quand on ne me voit pas... C'est la même chose, parfait. Ben, ça s'est très bien déroulé. Hein. Cette fin de mission... Fourre-le dedans, hein. Allez hop. Et bah ça, on aura galéré mais c'est bon. C'est fait. Le cassage de chiottes a été réalisé. On n'est pas peu fiers. T'as oublié tableau plus télé. Sérieux, tu voles pas tout? C'est déjà bien. Et le reste? Ah, y a déjà beaucoup, hein. Ils vont rentrer après. Non, non, on a cassé, on a volé pour l'équivalent. Regarde, là, c'est un A. Ça, c'est un A, ça. On finit sur un S. Mais voilà, mesdames et messieurs, pas être trop gourmand. Ne pas être trop gourmand, c'est important. Et lui, il me parle. Pour la tâche suivante, j'ai besoin que tu apprennes à grimper. Comme l'homme araignée. Oh, c'est tentant, quand même. L'imprimante. Ça se vend plus. Bon, c'est pas... Je vends tout. Je suis monté à combien de sous? Ah, j'ai plus rien. Bon, écoutez. Vas-y, grimpe. Oh, c'est vrai que ça donne envie de grimper, là. Mais boulot accepté, casse leur toilette. Je l'ai fait, ça. Ça, je l'ai fait. 1890? Ah, j'ai d'autres levels, là. Agilité niveau 2. Permet de grimper sur les vignes vierges. Oh, putain. Il me reste des points. Ça, j'ai déjà. 25% de sac en plus. Boum. Ça, c'est fait, quoi. C'est en bas à droite, les thunes. Ah oui, pardon, c'est juste là. J'avais jamais vu. Ça sent le vide. Ah ouais, mais là, c'est peut-être la mission de trop, les gars. J'ai peur que ça soit la mission de trop pour nous. Tu vois? Genre, je me dis... Mais c'est vrai que ça a l'air marrant, parce que ça a l'air d'être un nouveau truc. Tu vois?
Vas-y, c'est la der. On essaye juste de grimper. On essaye de grimper, et ensuite... Ça fait longtemps que je t'ai pas passé. Coucou, c'est là-haut, ça fait longtemps. Vas-y, on finit sur un bon S. Mais je dois aller où, à la maison, là? Bon, juste pour voir ce que ça donne de grimper un peu sur les murs. Oh, il me fait chier. Hey, you know what else ain't broke? Is Greenview 104's windshield. Le pare-brise. Mais ils sont chelous. Pourquoi qui t'appellerait pour ça? Black Bay. J'ai plus en avant de toute façon. Un U-phone abîmé? Crochet. J'ai tout ce qu'il me faut en crochet, hein, j'ai l'impression. Gants d'escalade? J'achète des gants d'escalade. Comment je fais? Casser la vitre de la voiture. Non, non, moi je veux escalader. Comment on escalade? C'est quelle mission pour escalader? Les bakers? Comment on escalade? Les 104? Inaccompli? Ouais, 1200€, c'est des vrais gants. C'est des gants plus, hein. Casser la voiture, la vitre de la voiture. Onglet boulot. Là, non? Achète les indices pour voir les endroits où il y a des vignes. Putain, bien vu ça, bien vu. Je sais pas s'il nous reste assez de tours. Ça, c'est bien vu ça. Alors. Ah là, il y a des missions en plus. Casse les toilettes, casse leur évier. Putain, ils ont vraiment des vies de merde. Casse ou vole la décoration, ça je l'avais fait en plus. Putain, 300 balles. Casse leur verre à vin. Oh, les Wilson. Eh, les Wilson, il y a de la mise à... Il y a 600 balles pour casser leur chiottes et les verres à vin. Ah, les Miller aussi, ça paye bien. Ah, les Jones, après, c'est juste un cassage de vitres. C'est à voir, c'est à voir. Conseil de sécurité pour la maison, acheté. Possible d'accéder au deuxième étage. Oh, c'est chez les Jones. Monte là. Ils ont laissé la fenêtre ouverte. Oh là, on se fait le... Il y a une guitare de valeur dans le garage. On se fait le 104. On se fait le 104, on accepte. On va casser leurs vitres et on va grimper. On va au 104. On braque le 104, c'est parti. Ils ont laissé une fenêtre. Allez, ça braque. À ce prix, tu t'enlèves les gants pour pas les abîmer. Ah non, mais là, on se met dans les conditions maximales pour réussir. Bon. Alors, c'est où le 104? Oh, c'est juste en face, on n'est jamais allé là-bas en plus. Ah là, c'est de la belle maison quand même. Là, le 100... Oh, le 101, ils ont une belle baraque. Oh, au 101, ils ont une vraie villa. Ah ouais, il y a une grille et tout, regardez un peu là-bas, là. Ah ouais, après, il y a des maisons, hein, quand même. Ah ouais, il y a des maisons qu'il faut mettre sous surveillance et tout, quoi, là, après. Ah ouais, c'est un 3-6. Ah, les Johnson, on va les laisser un peu tranquilles. Pour l'instant, on va bosser un peu le 104. Déjà, le 104, il me fait très plaisir parce que je vois une très belle poubelle. Là, je grimpe, là? Bah, je peux pas grimper, là. Je grimpe par où, moi? Ouais. Casse leur vitre, casse la vitre de la voiture. Attends. Faut longer par là. En pleine journée, quelle erreur. Ah non, parce que là, c'est déjà 105, ça. Yo! Hop là, habitude. Ça, c'est découvert, ça, tu vois. C'est comme ça qu'on prend des infos. En gros, il y a le 104 qui est là. Ah, c'est là, peut-être. Escalader les vignes. Oh, mais c'est osé de faire ça en pleine journée. Hein. Putain, les gants, juste pour ça. Faut savoir qu'ils sont là ou pas? Il y a la guitare en bas. Boum, déjà, on a une radio. Je pense qu'ils sont pas là. Premier coup. On ouvre doucement. Déjà, il y a une télé. Oh la vache. Lui, il va me défoncer, lui. S'il me voit dans le coin, où il y a de l'enceinte et tout. Un peu de flouze. Il y a un cierge. Trouve le bon ordre. Attends. Oh, ils font des trucs chelous. C'est une famille bizarre. Rien à voler. Hein. Ça prend de la place pour rien, ça. Ah, je peux estimer, ça vaut 3$, ça.
Oh, mais il y a même un souterrain. Oh, ils ont une vraie baraque, hein, eux. Oh, il y a la guitare de valeur. Oh, encore du flouze. Full flouze. Faut que je casse quoi? Faut que je casse une vitre, là? Casse leur vitre. Oh, mais c'est terrible si le mec est chez lui, quoi. Casse leur vitre. La vitre de la voiture. Ok. Bon, ça c'est fait. Peu de flouze, là. Peu de flouze. Et y'a personne. Oh, j'ai eu le feeling. Elle est sur l'ordi. Ah, pas vu. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir l'assommer, quand même. Moi, j'ai la guitare. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il y a une télé qui est pas mal. Bon, c'est vrai que le feeling n'était pas si fou. Hein. Elle piste les traces de pas. Non, mais c'est quoi, là? C'est un... Non, non, je... Oh, putain, moi, je t'assure... Oh, on la voit plus. Ça fait beaucoup de voitures garées dans un endroit bizarre là. Ça commence à faire beaucoup. La police cherche ta voiture. Putain. C'est pas grave au pire. Qui cherche ma voiture? Oh putain. Oh, je vais crever je crois. J'avais été entendu par un locataire. Merde. Elle est où? Ça devient chaud là. Sors. Le cambriolage le plus lent de l'histoire. Non, non, parce que les flics vont venir. Ils vont chercher la voiture. Mais non, mais là, je vais me faire... Je vais me faire traquer, là. Vous pensez, il faut que je sorte? Enfin, je crois que je suis foutu, moi. Non, mais tu vois, en fait, faut que les flics viennent. Faut que je me cache pendant que les flics soient là. Sinon, c'est clairement foutu. Tu vois, ils cherchent la caisse. Je dis pas que... J'ai peur de passer... Putain, je peux plus monter. Si je me cache chez eux, je pense que c'est bon. Non, je me cache chez eux. Là, il y a trop de voitures de flics. Bah la voiture, c'est bon, prenez-la, emmenez la fourgonnette, je sais pas, faites un truc, les gars, grandissez aussi. Là, il y a du flic, hein. Donne tes gants en échange. C'est la caution. Ah, le tête-tête a fait peur. Elle a pas eu l'air choquée, tu vois. Mais ils arrêteront pas, je pense. T'as encore pas fermé la porte. Ah, je pense qu'ils arrêteront pas. Je pense qu'ils ont senti que... Après, juste voiture garée dans un endroit bizarre... Ça va, les gars, quoi. Ah, mais là, il est 20h. Ah, mais l'autre va rentrer du taf aussi. Il va y avoir le mari, là. Il y a un mec qui tape un sprint chez toi. Il y a les flics, tu te doutes de rien. Ça se calme. Ça se calme. Je vous l'avais dit qu'il fallait juste se cacher. Au bout d'un moment, les mecs, ils sont juste en mode, bon, le gars, au pire, on met fourrière, quoi. Viole la nana. Ah oui, il y en a qui ont des délires, quoi. C'est-à-dire que... C'est pas genre lui mettre un petit coup derrière la nuque, c'est carrément... l'exhibitionniste, quoi. Sors à poil, juste pour voir sa réaction. Mais je peux même plus sortir, là, je crois. Ah, si. J'y retourne. Mais là, ça me fait peur.
Là, si je casse ici. Flicos dans le coin. Oh, une brique. Holy shit, y a eux aussi. Ah mais là c'est juste un putain de péon là qui comprend pas pourquoi ma voiture est là. La police cherche ta voiture. Ce crocheteur, par contre, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ouvre pas. Juste, c'est crocheté. Comme ça, on sait jamais. J'ai été entendu par un locataire. Le con. Je suis détecté. Oh, je retourne. Je retourne dans ma cachette. Oh, foutu pour foutu. Et je referme. Oh non, 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 je voulais juste refermer. Je voulais pas faire ça. Oh, foutu pour foutu, gros. Ah, je peux te dire que... Oh, du flouze! Bah, on a peut-être des sous, là, aussi. Y'a que des pulls. Ah, c'est bon, je me recache, hein. On va refaire la même technique. C'est en refermant que tu te fais entendre. Boum! La voiture cherche juste ma police. Putain, mais quel génie. Oh, le génie du mal, mais à son apogée, quoi. Le mari est rentré, vite, vite, faut sortir. 100%, il y a le mari, là. Là, le souci, c'est qu'il y a les flics juste en face, là. Mais je pense... Une fois que les flics font leur ronde, regarde, les flics partent, là. Les flics vont être là-bas, là. Ah, partez, les gars! Faut que je ferme la fenêtre, ouais. Et tout doucement. Comme ça, c'est comme s'il s'était rien passé. Ah, c'est parfait. Ah putain, j'allais dire que c'est ma chance, il y a la deuxième voiture. Ah, ils sont forts. Ah non, ils sont forts. Là, il y a le gars qui passe. Il se dit, oh là là. Deuxième voiture qui passe, c'est peut-être bientôt mon moment. Va falloir speed. Va falloir run. C'est bientôt moi. C'est bientôt moi. Ils sont passés. On y va. Pardon. Chacun pour soi, mon pote! Je sais pas où je vais. Merde. Je me suis perdu. Genre, c'était le pire chemin. Et c'est gagné. Mais encore une fois, c'est gagné. C'est ça le souci. C'est qu'on est que dans du c'est gagné. Et la police cherche ma voiture, mais je suis déjà beaucoup trop loin. Là, honnêtement, je suis déjà beaucoup, beaucoup trop loin. J'ai pas cassé la vitre. Si, si, j'ai cassé de la vitre. C'est E. A, B, C, D, E. Ah ouais, c'est avant F quand même. Avant F. Pour voilà, il y a eu du misplay. Tu n'es toujours pas très fort en crochetage. En gros, t'as pas vu ce que j'ai fait. Hein. Le mec, il se rend pas compte dans la merde, il m'envoie là. Je lâche 1200 balles pour des gants, j'en récupère 200. Il y a un moment, t'es deal de merde, là, on va arrêter aussi. Hein. Bon, bah, on a fini sur un S. On peut se féliciter. Vous me direz ce que vous en pensez, même sur Domingo Replay. Le jeu est sympa. Après, je pense que le jeu aussi. Enfin, pas limité, tu vois, mais c'est vrai que c'est. Le jeu est quand même facile, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est... Bon, alors, ça me gêne pas, vu que c'est vrai que mes compétences sont quand même limitées, en crochetage notamment. Mais... Non, le jeu est cool, mais c'est vrai que tu sens que tu t'en lasses en 2-3 sessions max, quoi. Facile. Bah, mais en difficile. Non, les gars, j'aimerais pas souiller le jeu, quand même. Mais... Salut Demi, je viens d'arriver, tu me fais déjà rire. Oh, toi... Oh là là, finir sur un E et dire que le jeu est facile, le gars qui... Mais... la guitare, fallait la... Oh, c'est vrai que la guitare, c'était con. Mais non, mais en vrai, c'est rigolo, tu vois. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... tu vois, il y a des moments où, ouais, tu peux t'en sortir, quoi. Tu vois, les villas, ça sera pas facile. Tu peux t'en sortir quand même plus facilement, quoi. Après, tu peux tout le temps te coucher la nuit et tout, mais je referai peut-être une petite session sur le jeu, tu vois. On va pas se lasser là.
Mais on se refera peut-être une petite session parce que c'était quand même sympa. Moi, 10,1 au bac. Ouais, le bac, c'est un scandale, il est donné. en vrai, après, tu débloques un nouveau quartier, toutes les maisons, des caméras. Ah ouais, ok, donc c'est différent. Autant faire du payday. Je suis un peu d'accord, tu vois, que si tu veux pousser le truc du coup au max, payday est quand même très sympa, quoi. Donc, mais c'était sympa de découvrir, c'est aussi le but du mardi soir.